Dès le début de la guerre, depuis le mois de avril, mai l'année dernière, l'intensité des bombardements a été extrêmement élevée à Saada, dans le nord, à Adja, également dans le nord, et à Sanaa. Ensuite, il y a eu une guerre de siège qui a duré plus de 4 mois à Aden, dans le sud, donc assiégée par l'alliance des Houthis et des forces de l'ex-président Saleh. Donc une guerre urbaine, des combats urbains qui se passent en zone résidentielle avec énormément de dommages sur les infrastructures civiles et énormément de pertes civiles, dommages collatéraux. Ça a été l'horreur à Aden. Mais ensuite, aujourd'hui, la ligne de front la plus intense, les combats les plus intenses se passent dans la ville de Taiz. Taiz, c'est l'enfer sur terre, avec une artillerie Houthi et Saleh et la résistance du sud de l'autre côté, appuyée par la chasse saoudienne. C'est quotidien. Maintenant, dans le nord, sur l'est de Sanaa, dans un district qui s'appelle Nihim, les forces appuyées par la coalition avancent vers Sanaa et protègent leur avancée sous un tapis de bombes pour pouvoir sécuriser l'avancée de leurs troupes. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui encore, les zones les plus bombardées sont encore, aujourd'hui, l'est de Sanaa, mais surtout Saada et Adja, dans le nord du pays, où on a été obligé, après la destruction d'un quatrième hôpital, de retirer nos équipes internationales, pour leur sécurité bien sûr, mais aussi pour protester que c'est, on ne peut pas accepter que ça se passe comme ça.